Désir venesse et se mettait à notre nouveau laisser me dire que malgré chier pit qui existait entre Capeta avec Gary Conning, eh bien ni Gary Conning ni Leslie Voltaire comme actuel président Capeta, messieurs, nos activités qui organisées je n'ai que samedi 9 novembre, yo ba garantie et yo promette pour que le 7 février 2026 pour que yo passer pouvoir by une équipe qui est élue. Ça veut dire que messieurs Damio dans Capeta et dans gouvernement Conilan, yo clairement dit que eh bien y a fait tout ça capable de yo pour yo river organiser élection en dans pays. Mais comme nous connaissons déjà élection en Haïti, c'est toujours même adjectif qualificatif ça yo. Élection crédible, démocratique, honnête, c'est ensemble de paroles ça yo qui remettait derrière mot élection. Mais est-ce que et Conny ou dis-moi est-ce que conseil président yo est-ce que c'est eux même vraiment qui arrivent à organiser l'élection d'ici année 2025 là? Parce que dans la bataille ça déclenché là entre Capeta et Conny pendant ces temps que Capeta besoin veut Conny aller Conny pas veut aller Conny était tête raide et je dis hein eh bien autorité américaine yo même yo clairement dit que si que deux têtes exécutives là en parlant de Gary Conny comme chef gouvernement et puis conseiller président yo si yo pas ka jwenn on entente nan mitan yo et ben li possible là pour aller dans cour de cassation elle dit je dis parce que cour de cassation pour international là l'absolution définitive là parce que quelque part pour pas que bagage neuf moun k'ap diriger neuf idées k'ap passer parce que la problème nan c'est neuf idées k'ap passer neuf idées dit au ses chef Conny dit ses chef et ben vinn gen trois chefs qui fait je dis il vinn mettre chire pit entre Gary Conny avec monsieur et Capeta des Ivenes. La situation modèle bataille qui pratiquement gagne en d'un pays a li montré on l'autre fois pas une volonté pour retirer Haïti dans crise qu'elle trouvait là qui suscitait des commentaires ou bien opinion divers anciens et figi dans politique en d'un pays d'Haïti songe et dans émission et avant hier matin on était pratiquement venu avec ancien président prisonnier parlementaire et ancien directeur ou bien ancien fonctionnaire de la DGI là on a parlé des anciens présidents provisoires et est-ce que ça dérange l'aime dit est-ce que ça dérange un pile monde ouais de qui est ce qu'elle a parlé Blaise Peterson c'était on est qui c'est même corotte famille Lavalasse la carte que c'est d'autre regarder on a parlé de Jocelyn Guiver qui montrait au moins ça capé ces fêtes là qui pagait un et qui au profit de la République. Elle demandait avec monsieur au moins pour ta jeune entente entre eux. On va dire qu'il paraît extrêmement difficile, même que dans l'assemblée qui fait en public, ou que monsieur montre que vous avez en parfaite harmonie. Mais dans le temps, toujours une tension qui a boulé, qui permet que le pays a toujours été sous suspense et Gary Conny rete sous des qu'elle dit pas fait back dans décision qui a permis que la police l'a bien équipée pour faire face avec situation insécurité qui vient dans le pays et pour recamper escape figure d'Haïti dans ça qui vient pour elle avec question économie. Et je dis, ensemble, ça, moun kap gade, attendez, yo wè se de promesse pour faire moun dormi parce que pa gen pièce action qui rive poser tout bon vrai. Et président conseil présidentiel de transition, nous voulons parler de Leslie Voltaire, la valasse de son état, qui montrait que 7 février kap venu là, Blaise Peterson, faut gen yon président qui fait état de siège dans le palais national et pour gagner les parlementaires qui pral siéger, qui pour essayer de regarder le choix que vous pral faire pour moun qui pral et représenter. Non, la primature comme locataire dans l'espace pour diriger le gouvernement qui a venu après. Est-ce qu'elle pourrait arriver à respecter? Jusqu'à présent, personne, pour que ça me connaisse, est-ce qu'elle pourrait arriver à gagner ça? Mais il faut qu'on dise, pendant, et commence par le week-end, le monde dans le département de la Tibonite, il y a même toujours qu'un bâton pèlerin, surtout dans le pensionnaire, pour exiger autorité qui dans l'État, pour mener opération, et au même annoncer, si pas une opération qui mène contre Bandi Basgan Bufio, il y a crasé, pensionnaire, il y a bloqué le département de la Tibonite. Crasé Ponsonde, c'est totalement bloqué communication entre le Grand Nord avec le département de l'Ouest en passant par la Tibonite et autorité aux besoins de responsabilité au moins pour empêcher que ça arrive parce que moun yo di pa ka gen 115 moun qui mourit et sans compter divers autres qui n'ont couru qui a dormi devant n'importe quel monde qui a dormi dans l'école nationale qui a dormi sous place publique pour jusqu'à présent pas vraiment gen rien qui veut fait diverses organisations avec parti politique Blaise Peterson pas suspendre levé voyou pour dénoncer la bataille qui gagne entre deux têtes exécutives. Je fais quoi? C'est tout un plan pour empêcher le pays à sortir dans la situation qu'il y a. C'est pour ça que j'ai exhorté quel est le premier ministre Dr. Gary Conny avec l'équipe, quel est le KPTA, pour chercher un terrain d'attente qui permet au moins que vous gardez l'autre Haïti par rapport à la situation que le pays a déjà connu. D'après ancien ministre de Justice, Bernard Gousse Blaise Peterson, décision. Conseil présidentiel transition, CPT ou bien KPTA, prend pour le révoquer Dr. Gary Conny,
représenter faiblesse, mais qui rend l'illégal. C'est ça que Benagous gagne comme position. Dis premièrement, KPTA rend l'incapacité non fonction à cause accusation trois membres qui trouvaient yo dans conseil présidentiel transition Blaise Pierson, pas oublier scandale ça lié avec 10 millions de gourdes, 100 millions de gourdes pardon, que n'a demandé avec ancien président conseil d'administration BNCA Blaise Pierson. Ancien ministre justice fait quoi et bagage ça lui permettre que conseil présidentiel transition n'ait pas de légitimité avec pouvoir pour demander ça. Dis il laisse ça. Il y a un conflit qui intérêt qui pratiquement chita dans pression que KPT a exercé pour capable de nommer un autre ministre justice qui d'après quelques monde dans la société a qui t'a capable tomber en bas influence présidentielle pour bail commissaire gouvernement et n'importe au prince pour capable demander une révocation sans pareil dans ce ça il fait quoi qu'il pas capable refléter avec vraie réalité a il pas permettre que commissaire gouvernement ça capable représenter et masse défavorisée dans voie publique là les personnes pas oublier son ancien ministre justice qui a parlé il essaie d'autre faire ensemble avancer ça les personnes pour monter situation qui est dans pays là. Li par une situation qui petit, nous pas nous regarder avec petit jeu petit, nous besoin regarder avec jeu équipe bien déployé avec jeu intellectuel pour empêcher d'aller dans carreau capinable la situation. Et je nous dis l'un des dire malgré chier petit qui existait entre deux têtes exécutives là, eh bien monsieur dit clairement non à 4 avril qui clairement dit que il doit organiser élection dans un point qui gagne yo, mais nek yo encore a montré bonne volonté yo pour organiser élection dans pays. C'est normal parce que objectif premier de tout pouvoir transition, c'est organiser l'élection. Objectif premier, tout pouvoir transition, c'est organiser l'élection. Ça veut dire, je dis, hein, lycée encore plus qu'une obligation, bon côté conseil président, yo, bon côté KPT, hein, bon côté la police, en dit autorité au niveau de l'État, pour prendre toutes dispositions adéquates nécessaires pour y rétablir sécurité, reprendre autorité de l'État et organiser l'élection d'un pays. Hein. Mais comme nous, c'est sous gouvernement, c'est pour que ce poste initial qui est, mais qui donc, est-ce que vraiment, en octobre 2025, j'ai dit, il y a privé organiser l'élection parce que c'est date, ça me change, ministre de justice et sécurité publique, là, M. Carlos Hercule, lui-même, dit, est-ce que vous pourrez arriver respecter date octobre, là, mois octobre, là, est-ce que tout va arriver respecter date 7 février 2026, là, pour passer pouvoir, ben, au président élu des Yvenes. Non, c'est ça, on vient avec une après l'autre. Et président Capétien, Leslie Voltaire, et après ça, nous revenons avec Gary Conny, comme chef CSPN, comme premier ministre, dans le dossier élection en David Haïti. Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédié à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son. Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions.
C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Ça, c'est Leslie Voltaire, président KPTA Genodian. Et malgré 20 divisions chez Petit Gain dans Mita Monsieur, mais il est déterminé pour être capable d'organiser l'élection. Mais c'est normal, c'est obligation même à eux-mêmes, puisque Maman Lapé a clairement dit que normalement, objectif tout pouvoir transition, c'est organiser l'élection. Bon, comme vous l'avez dit, Monsieur Sayo, il y a une période de crise, ok? L'emdi période de crise, hein, problème insécurité, problème gang, problème misère, chômage, tout ensemble, mais de toute façon, c'est un pouvoir qui est légitime, c'est stabilité pour gagner, pour que vous capable de répondre avec ensemble de situation ça. En dehors des PM, vous avez beaucoup de débats sur question ça. Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Défense, membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs, les cadres techniques de la fonction publique impliqués à un titre ou à un autre dans ce processus référendaire, mesdames les représentants, messieurs les représentantes, partenaires internationaux, mesdames les experts, messieurs, distingués invités, je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la réunion d'aujourd'hui a été suffisamment élaborée. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition, sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le Conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, qui vous lancera le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le Conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le Conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le Conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire,
nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons continué à avancer et nous n'avons pas fait vague. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas de route, pas bois. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans tête pays qui sorti dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, Mbano, je dis. Merci. Dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous.
Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons continué à avancer et nous n'avons pas fait vague. Ezio, parole PM Gayekouni. Nous continuons à avancer et nous n'avons pas fait vague. Et nous souhaitons ça. Mais avant même nous venir avec l'autre et venir avec l'autre bagaille. Avant qu'il nous vienne avec Finel Joseph. Il vient avec Finel Joseph Désir. Regardez vous moi, si Finel Joseph là. Et imaginez la vidéo à nous là. Imaginez. Bon Désir, en tout cas, PM Gayekouni, monsieur, encore, montrez que il m'a dit le souhaiter pour qu'il s'en aille une bonne synergie qui développait entre KPT avec le gouvernement dans l'idée pour capable résoudre le problème qui est là et surtout organiser l'élection des Ivonnes. Est-ce que y a une volonté bon côté des branches exécutives parce que chaque yo gagne un intérêt yo chaque gon fait des routes qui différent est-ce que pas ça les tourner après forum électoral ça qui organisé pour garder qui sont cap organiser élection tant que le premier ministre dit yo pas fait bah il souhaitait gain harmonisation gain sérénité entre des têtes exécutives. Première cause qui pratiquement gagne dans les heures à partir des rencontres qui fait et dans week-end non entre deux têtes exécutives, Libaï et Gopérez, sous pays a et gagne des gros annonces qui fait t'a même montré une résolution côté cinq conseils présidentiels t'a déjà signé pour retirer Gayekouni et dans tête la primature dans tête gouvernement. Est-ce que ensemble ça on t'a dit c'est des informations qui ou bien et son autre bagage parce que je dis en moi que il y a pratiquement une synergie des rencontres côté il a participé dans discuter dans forum ça qui montrait que pas fait bac sur décision que vous gagnez pour organiser élection bien que majorité ça qui c'est électeur ça qui c'est personnel électoral la situation soit tout à poser question est-ce que il parle pour y aller dans élection il y a besoin mais qui côté élection ça fait dans qui pays que élection fait parce que pas gagner préparation vraiment on est dans pays pour élection fait bien que premier ministre Dr. Gayekouni regarde la situation de question crise et alimentaire qui vient d'un pays, regarde la question crise sécuritaire. Mais c'est pas tout le temps parler de yo. Non, ça qu'on a fait comme discours, mais c'est poser action qui va permettre que le problème ne résout. Là, on a bien regardé, on a pris ni conseil présidentiel, yo, ni premier ministre comme chef CSPN. Chaque fois qu'il parle, il montre que le problème de sécurité a son bagage grave. Mais qui action qui posait pour résoudre le problème dans la situation. On nous tourne avec, alors, on nous garde l'autre gars qui a parlé toujours pour qu'il y ait une capable avancer les finis. Depuis mon entrée, mon courriel dit communauté internationale, je parti mal pour me dire que ni qualité ni quantité est diable, bon, pas bon, pas suffisant, pas résoudre le problème. J'ai besoin d'hélicoptère, besoin de bon drone, j'ai des équipements que j'ai besoin qu'on refuse, bon, parce qu'on dit que c'est l'armée seulement qui a baillé.
j'ai des équipements sophistiqués d'intelligence que j'ai besoin souter par la police là, il t'a bon bon résultat mais là me dit comme ça que j'en approche assistance en général, il pas permettre moi saute l'encrisement là. Nous t'ai fait mon promesse que m'ta gagne 2500 mon en septembre, septembre rivé me gagne 400 seulement côte reste là. Nous t'ai dit nous t'a aider me reconstruire même reconstruire police moi engager mon côte support. Donc première priorité pour moi, c'était parti pour mal 10 ans mi que promesse yo t'ai fait nous dans cadre urgence temps pas kembel. M'voyer ministre affaires étrangères là descendre Brésil. M'voyer le monter en Belgique. Moi monter aux États-Unis. Moi les amis en San Salvador, m'parler à monde qui au Mexique, mobiliser tout le monde moi connaît l'international là pour me dire que promesse d'appui ça urgent pour Haïti. Pour me dire que petit monde Haïti pas moins méritant que petit monde qui Ukraine. Si mon en Haïti k'ap soufri, femme en Haïti a fait kadejak sou yo, famille kite la kayo, yo pa moins méritant que famille a zami ki nan gas. Et que nous méritons même attention, nous méritons même effort, nous méritons même engagement. Évidemment, yo dou que bon, Haïti a yapé del depuis longtemps, yo pa jan moins progrès, yo gen 10 000 raisons que yo ba ou. Mais dans la vérité, communauté internationale la douen solidarité sa. Pays ki ba Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, pays qui le monde, l'indépendance, jodi a nous un droit à solidarité ça. Mais premier élément pour résoudre le problème. Deuxième bail nous essayons de faire, c'est que nous avons un problème d'équipement, il faut nous résoudre rapidement. Monsieur la police vraiment a coumé à zong. Après ce qu'il y a fait un travail qui, à mon avis, héroïque dans des conditions excessivement difficiles. Il faut nous améliorer les conditions de travail. Il faut nous assurer nous, que les blessés ont un bon traitement. Faut assurer nous que si par malheur yo mouri famille yo pa laissé pour compte. Faut assurer nous que yo ka gen des bénéfices le yo pa ka travailler encore. Faut que nous travaillons pour assurer que yo ka avance. C'est pour ça que nous créons un fonds spécial de sécurité qui bam les moyens pour bay la police là avec l'armée ça le besoin pour le ka faire travail. Deuxième urgence que nous arrivé traiter. Troisième urgence que nous arrivé traiter c'est que pour la première fois nous mettre la police là à l'armée ensemble pour ka faire opération. Et pour qu'à consolider l'opération, c'est une urgence pour nous de faire le genre là et je dis à nous faire. Sous 4 mois que se passe là, chers amis, sous 4 mois que se passe là, la police nationale d'Haïti actif sous 5 théâtres d'intervention en même temps. Nous travaillons pour sonder, nous avons eu un cas, nous avons essayé de défendre Solino, nous l'agressions, nous avons défendu Tabar, nous avons alerte pour nous à droite, nous avons obligé de voir à droite. Nous voyons alerte pour nous à gauche. D'ailleurs, nous comprenons, la police n'a pas fait ça. Si nous n'avons pas fait tout ça, nous sommes capables en 3 mois, 4 mois, pour nous renforcer la capacité. L'homme entré, nous sommes à peu près à 15 blindés. Je dis, je ne sais chiffre là pour nous ne connaît, mais nous avons beaucoup plus. L'homme entré, nous avons des moments où la police l'a dit, nous avons une semaine de stock de munitions. Je dis, ça ne peut jamais arriver pour nous avoir une semaine de stock de munitions. Le montré police la désime que nous manquons d'armes, nous manquons d'équipement, nous manquons radio. Je dis à Mgadou que la police a beaucoup mieux équipé en ce sens. Mais c'est pas suffisant, c'est pas assez. Nous beaucoup gain ça besoin pour nous mener une bataille ça. Nous besoin l'autre drone beaucoup plus sophistiqué et nous en passe de gain. On a discuté avec l'armée sur équipement lui-même les besoin qui permettre nous joindre nos souffles. Côté nous hier jeudi, on connaît nous pas senti. Côté nous hier jeudi, monde qui l'encore, on connaît au beaucoup senti. On connaît monde qui beaucoup qui tourne la caille à beaucoup senti. Mes amis, mieux m'a dit nous. Côté nous hier jeudi, c'est pas planté en juillet. Mais côté nous hier jeudi, c'est pour côté nous doyer. Et c'est pour ça tous les jours que Dieu baille. On paquet monde qui réunit c'est sous ça seulement à réfléchir. Et pour me répondre aussi, parce que me parler longtemps, mais pour me bonne réponse direct à question posée moi. Moins convaincu que si nous continuons à avancer, je n'ai pas avancé. C'est moins que tout ça. Avant fin année, on va la caillou. Bon, et on a parlé toujours. Est-ce qu'on est capable de prendre le PM toujours? Est-ce qu'on est capable de prendre l'acteur qui réagit par rapport à la situation pays? Avant fin année, il le dit. Yeah, avant fin année, il veut dire que nous dans la zone. Bon, nous devons faire fin année, on a parlé de décembre. Mais c'est dans le mois de novembre, là. Eh, mais là, parlez de décembre, il y a de décembre. Là, regardez, vous voyez, l'aide, c'est pour faire un an pour décembre. Bon, il s'en va, c'est l'abdi. Désir, notre question qui a pété, là, je ne vais pas ajouter, mais Arab parle, frère. Ah, monsieur, dit. Arab parle, Arab dit, appelle cause, et moi, c'est que Arab, vous voyez, pendant que vous avez parlé pour mon fouan, Arab, les droites, et le conseil l'abdi.
Même je pas fou Blaise. Comment non, comment mais comme monsieur monde qui fou comme s'il elle a parlé, il va contre la dit mais pas gain niveau vrai. Mais ça capable dire que place li et ça fait un pile monde apprécier monsieur dans Jean que lui-même, il décider mener bataille à Desi Venesse. Jeudi vendredi 8 novembre 2024 là. Nous prenons en bas complot volé. Toute semaine passée à me dit nous, mais code pour nous marrer volé yo. Assassin criminel yo. Je dis à vous faire connait, c'est Iso, c'est Tilapli, c'est Vite l'homme, c'est Barbecue qui volait. Et Gérard Gilles Salier volait. Et Vertine Salier volait. Et Smith Auguste Salier volait. Je dis à nous, dossier arrivé devant un juge instruction qui se juge Félix May et Benjamin. Femme Axemio qui vivent à travers le monde qui c'est haïtien, qui remet pays nous. Je dis à ne prendre un complot. Gérald Gilles a fait tout moyen possible pour mettre gros pression sous juge Félix May Benjamin. Mais Félix May Benjamin actuellement là, c'est gros l'argent qui a pour Félix May. Chaque nègre, chaque braquet BNC, nous connaissons trois gros braquets BNC qui t'a le braqué ZAM sous directeur BNC. Ah mais je dis là, yo chaque marché avec 150 000 dollars avec, y a pour frire juge là. Est-ce que vous entendez? Pays a un grand goût, pays a une souffrance. Leslie Voltaire, bay chaque braqué 150 000 dollars américains pour yo bay juge là. Et mettez gros pression sous juge là, s'il pas d'accord prendre l'argent pour blanchir, pour sortir ordonnance non coupable. Pour yo, on met juge là y a pas assassiné. Est-ce que vous entendez? Trois braquets, Louis Gérard Gilles, portez code pour nous marrer Gérard Gilles, portez code pour nous marrer Vertilet, portez code pour nous marrer Smith Augustin, portez code pour nous marrer Gérard Gilles. Je dis à bataille la carrée, bataille la carrée. Les noix trois volets ça yo, quatre marchés avec mallette l'argent yo, yo chaque 150 000 dollars américains dans yo, pour yo offrir juge là, pour blanchir yo, pour sortir ordonnance. Non, lieu pour yo, qui veut dire, yo pas coupable. Toi assassin, toi kidnappé, toi braqué. Je dis à mon papa, il s'est calé chez nous. Je dis à mon paquet, mon avis, avec qui doit se bagaille, il y a 400 femmes, il fait bagaille à 400 femmes. Il y a un seul stogant dans l'arrière. Qui est-ce qui arrive, monsieur? Balthaza, on doit se Balthaza. Mais toi, voler, nous gagnez là, yo. C'est yo pour nous veiller. C'est pas dossier Balthaza pour nous parler toute cette journée, à nous faire TikTok. C'est pas dossier étranger pour nous chercher. Figa a plus que nous, les gars font avec 400 femmes. 400 femmes, mais ça, non, je que nous Balthazar. Semaine passée, on m'a tout haïs, c'est son seul bagaille. Kamala Harris. Et puis la caillou, même le bagaille, même qu'à penser. Si y'a une sécurité, la caillou. Tout haïs se lève, c'est pas Kamala Harris. Ah bah, y'a un foot de Donald Trump. Tout cette affaire TikTok, y'a combien de Donald Trump dans le monde? Oui. Ou pas qu'à dire, moussé haïtien, ou à fouer bec ou dans le bagaille étranger. La carte ou pas qu'à faire élection et vous avez élection aux États-Unis. Même si Kamala est président, pas ici le président. Donald Trump président, et pas pour nous, non le président. Et pour la carte, il est aux États-Unis le président. C'est nous qui sommes c'est nous qui avons souffert, c'est nous qui kidnappés, c'est nous qui zombifiés, c'est nous qui avons sorti et vaincu l'occupation. C'est ça pour nous contrôler. Dans la vie, nous de Kamala Harris, de Donald Trump, tout ça de bon, pas grand rien qui a fait pour Haïti. Mon seul bagaille, démocrate, là, c'est lui qui fait plus mal. Bill Clinton, papa Aristide, nous connaissons Aristide, c'est sur Bill Clinton. Il a compté Kamala pour pouvoir, pour continuer à zombifier nous. Je dis à cette Trump qui bon. Sous Donald Trump, mes amis, nous avons crasé, brisé dans le pays, c'est vrai. Mais on va quand même jouer dans le pays, tout est long. Sous Donald Trump, nous avons crasé, brisé, boulet, caille, boulet, ceci, mais on va jamais 40 ans jouer dans le pays, tout est Trump, Biden est le président. Il a planifié les États-Unis. Les États-Unis, ils ont planifié la mort Jovenel. Dans la Maison Blanche, aux États-Unis, sous Biden, la mort Jovenel planifié. Est-ce que vous entendez? Dans la Maison Blanche, sous Joe Biden, la mort Jovenel planifié. Quand vous avez parlé, oui, Joe Biden, et vous avez parlé, oui, c'est camarade pour président, ou soit c'est Trump. Ça, où allait-il nous? Ça, foutit-il nous? Nous quittons la caille, nous tous seuls, la veille caille, moun. Ça va Joe Biden pour aller nous. Ça va être Kamala pour aller nous. Un seul bagage m'a dit. Congratulations.
avec Trump. Anglais capable. Parce que Trump, même sous des ou tant de il a dit si Trump était là, la major pas ta planifier dans Maison Blanche. Si Trump était là, Jovenel Lamoine pas ta planifier dans Maison Blanche. C'est ça ça m'a dit. Encore, m'a demandé chaque haïtien, réveillez-nous. Moun ki te konnen tête toute la semaine journée, yo parti prêter machine, moun al faire photo, faire caca. Yon ni foti voyage dans Biden là toute la semaine journée. Veye côté moun parking machine, yo appuyer sous li faire photo. Ça fini. Ça fout fini. Al fout travail. Toute la semaine journée c'est TikTok. M'ba di m'ko tant chom bon non, mais ko pa ka dali cette partie là, m'a dit oui, mais moun ti job li m'ko joine. Veye machine moun, coller sous li faire photo. Coller sous li faire photo, voye bay famille, faire aigri. Ah mais je dis à la chope dans monde à nous. Faut chercher travail nous fait. Avec la TikTok toute la semaine journée, 20 placement bobot nous, rete installé sur réseaux sociaux toute la semaine journée. Depuis une partie. C'est 20 bobot nous, n'était sur réseaux sociaux pour nous. C'est ça n'a fait rien sérieux. Chercher belle caille, accrocher sous lit, ouvert pied nous faire vidéo TikTok toute la semaine journée. Ça fout fini. Ça fini. Moi ici qui t'es parti, c'est travail ou travail pour changer la vie. On va arriver au rive, c'est sur TikTok ou toute la semaine journée. Fais alors, regardez comment vous avez TikTok. Live, toute la semaine, journée fait caca. Chop bin dans le monde à nous. Chop dans le monde à nous. Je dis à moi de nous tous. Levez capé, peuple haïtien. Affaire vin parler de Balthazar qui coupe femme toute la semaine, journée. Mes amis, pourquoi ça regarde mes amis? Bye Balthazar, bye États-Unis, ça regarde. Hein? Il y a des problèmes. Matin, midi, soir, il kidnappe frère Axel. On va parler de ça, non? Toute la cette journée, il y a kidnappé haïtien, on va penser avec kidnappé, on kidnappé, c'est bagarre étranger à veille. Côté code pour nous marrer, j'ai agile. Voler. Côté code pour nous marrer, vertile. Voler. Côté code pour nous marrer, vertile. Côté code pour nous marrer, Smith et Augustin. Mes amis, m'a demandé à Juge Félix May, Benjamin. Ancien lycéen Pétionville, son monde me connaît bien. Un jeune garçon de nos jours là qui a fait cours dans l'université. Sous ceci, ou pas capable de dossier, déporte de dossier. Sous chaque nègre marche à 150 000 dollars américains pour vous. Pas oublier cette nègre tête grenouille. Pas oublier cette malheureuse. Qui l'est aïe tête grenouille, te connaît mes tête grenouille pareil, dit comme ça, c'est qu'on y a pour chaque abo pour 150 000 dollars. 150 000 dollars dans mes non valises, dans mes Gérard Gilles fait 4 voyages avec Ajija. 4 voyages. C'est chez Cap j'appelle par Ajija. Quatre voyages, il fait gagner, c'est chez Cap j'appelle. C'est chez Trésor, lui. Et wou, 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 wou. Avec 150 000 dollars, amen. Vertil a 150 000 dollars. Smidon dit que c'est 150 000 dollars. Trois mouns, ça yo, c'est Leslie Voltaire qui baille comme ça, pour yo baille, pour blanchir, pour sortir ordonnance, que yo pas coupable dans le dossier BNCA. Trois braqueurs, mes amis. Trois kidnappers, oui. Qu'on a dit, c'est Babek qui gagne, c'est Tila qui gagne, c'est Bougoy qui gagne, c'est Christa, c'est Vitellop, c'est un gang. Ça, j'ai réjouillé. Est-ce que c'est pas gang nié? Ça, Vertil a yé. Ça, Smidon distéye. Je dis à l'homme, je dis que c'est seul si la pli qui gang. Je ne fous pas d'accord avec vous. Puis, gros gang pays à connaître les légers agiles. Lié les Vertil a. Lié les Smidon distéye. Pote code pour nous marrer, j'ai agile. Pote code pour nous marrer, Smidon distéye. Pote code pour nous marrer, Vertil a. Je dis à l'homme, chaque gang haïtien conséquent. Donald Trump, moi profiter pour me porter doléance assassinat président Jovenel Moïse. 6 pour yves 7 juillet 2021. Assassin criminel, yon planifié dans Maison Blanche. Yon assassiné Jovenel Moïse. Tout autre crime qui assassiné Jovenel là, yon tout Miami, Floride. Donald Trump m'a pris yon en grâce. 20 janvier qui a venu là. Premier dossier pour moi pour haïtien yon. Dossier assassinat Jovenel Moïse là. Parce que tout. Reginald Boulos caché, Miami, Floride. Dimitri Vob caché, Miami, Floride. Tout assassin qui touye Jovenel Moïse, yo Miami, Floride. Jodi ya, Donald Trump, moi konon pa haïtien, son américain yé. Mais ça fait honte pour pays ou là. Ça fait honte pour nation là. Parce que là, c'est américain qui planifie l'envoyon président. Un président américain pareil ou, qui c'est Jovenel Moïse. Je dis, m'a demandé avec Donald Trump, Matéli caché Miami, Floride, premier auteur assassinat Jovenel Moïse, Miami, Floride. M'a demandé à Donald Trump, 20 janvier 2025, premier enquête dossier pour le marier. C'est dossier assassinat
Jovenel Moïse là, parce que assassin au fin tout Jovenel, il a le caché la caillou aux États-Unis. Je la pas petit, sous pas les haïtiens pour quoi belmi, premier ça pour moi en janvier, Donald Trump, président grande puissance États-Unis qui fait élu 20 janvier, n'a prétend nous à bois ouvert pour manger dossier assassinat Jovenel Moïse là. Merci beaucoup. A parlé, chire, c'est volé qui a gouma volé, c'est gang qui a gouma gang. Je dis à un seul bagage, moi-même, plus gros problème moi avec Gary Conny, ou vin parler comme un monde qui pas sérieux, l'on chita avec yon gang, trois braquets qui râle zam sous directeur BNC. C'est ça, moi, yon talé râle sous directeur BNC, ou chaque consonné 100 millions de gouttes. Je dis à sous kon n'a yon trois braquets, trois gangs, trois kidnappers chita avec ou sambradou. Depuis m'de ouais, Gérald Gilles chita avec. Depuis que je Gary Conny chita Gérald Gilles, depuis que je Gary Conny chita Vertilet, depuis que je Gary Conny chita Smito Gistet pour ne pas parler pour moi. Je ne parle pas pour moi. Parce que je connais Gary Conny qui a fait marrer gang ça déjà. Moi, c'est Gary Conny qui a béé gang yo. C'est Gary Conny qui a béé gang yo. Gang ça a été devant ma code. Barbecue, papi, go gang que Gérald Gilles. Si la pli, papi, go gang que Smito Gistet. Hein? Vite l'homme, papi, go gang que Vertilet. Moun nous dit qui gang vraiment gang dans Melchita là. C'est lui qui a créé présidentiel là. Bâton Gaillac, Bois Calé, dans Mouda assassin. C'est ça qu'on dit nous-mêmes. Après déclaration. Philippe a un rapport à gang là, Philippe gen 7 ans de yo. Gang qui là yo pour qu'on même 5 ans. Gang qui là yo, c'est. Et pour yo te katouye Jovenel, yo te créé yo. Yo fin touye Jovenel. Après yo fin créé pour yo touye Jovenel, même gang ça yo kounya se yo vino au pouvoir qui c'est Ariel Henry. Si qui c'est Ariel Henry était pouvoir. Là on pas besoin Ariel, vous voyez Ariel aller. Mais qu'on y a vinn gon l'autre pouvoir qui s'est créé présidentiel là. Qu'on y a créé présidentiel là, il fait gang yo. S'il dit oh là yo là oui. C'est créé présidentiel là qui met gang yo. Jodi là, c'est la plupart qui camp pour braquer zam. Dans BNC. Créé présidentiel là t'a fait lui. Ils ont pas qui camp pour braquer zam sous directeur BNC là non, mais Vertilet t'a fait. Vertilet t'a fait. Je dis à l'heure, on a parlé des gangs, puis gros gangs pays à gagner, les Gérald Gilles, Vertilet, Smito Gistet. Bon, désir arabe dédoublé. Mm-hmm. Arabe, monsieur Monte clairement que ça gagne l'annexe à eux. Il est tout responsable de la situation haïtienne, il va mentir. Et quel que soit le te capité, quel que soit le te connu, j'ai que moi, votre aujourd'hui là, que il est tout coupable. Et je dis, c'est comme quoi m'a dit, pendant que vous êtes coupable, mais vous cherchez culpabiliser l'autre, non? Pendant ce temps, problème, non, c'est vous-même qui êtes responsable de lui. Et moi, que je dis, ça pour nous comprendre que bataille qui déclenche, bataille qui gagne entre capital avec l'Union, faut dire, qui est-ce qui a gagné? Maintenant, qui est-ce qui a gagné? Le peuple dit, non, est-ce que le peuple haïtien la donne? Et moi, dit oui, mais le peuple haïtien la donne dans le mauvais sens parce que la victime. Je dis, hein? C'est lui qui a victime, bandit a mis le haut, bandit a fait tout ça possible sur lui. Alors que l'histoire 10 ans d'il tendait, Gessani le président avec 9 moun et puis premier ministre. Et il te dit lui, les Ariel Henry te l'avec Spoukot li, Ariel pas manifesté volonté vraiment pour te résoudre le problème pays à ta prône. Mais là, avec 9 moun différents et puis yon premier ministre, et bien yon te attendent que ta pral Gessani le yon allé mieux ou bien on souffre qui baille. Mais malheureusement, je dis, hein, les que nous gardons et observons exactement ce qui passe dans le pays, hein, bah, c'est très compliqué. Désir Benest, SM du Bégué, commissaire principal Richardson Mersan, et qui c'est nouveau responsable SWAT, il est installé dans le poste samedi 9 novembre 2024. Non? Il est remplacé commissaire divisionnaire Ronald Michel, qui est remplacé dans le poste 1er juillet 2024. Okay? Ça veut dire que c'est un mec qui était là déjà, mais qui retourne. Ou quoi, mm-hmm. Ça veut dire là déjà, ça veut dire tout n'est pour Jacques. Bon, même Jean, dans l'arrondissement de Gonaïves, ou bien dans la ville de Gonaïves, il y a Eliezer Lucien qui a placé Philippe Gisse, qui a eu un peu de dénonciation, qui a été dit, monsieur Degain, relation avec gang Koukouatra, c'est bien le directeur départemental de la police, Caleb Exatus, installé Eliezer Lucien dans place Philippe Gisse. Ça veut dire là, et la police, ça, tout lui-même, a fait changement. Parce oui, il a fait des changements stratégiques. Ah, mais stratégique, ça va être désir. On ne va pas être menti désir. Il a fait changement dans la police. Man. Depuis les Ramou vin là, Ramou c'est changement à faire. Retirer moun sa, mette. Alors, moun la mette, c'est moun que le connaît, que le ka travaille avec yo, à bien dire. Bon, moun li mette yo, c'est moun que nous estime, ok, que le capable de travailler avec yo. Et, mais kounya, qui est-ce que vraiment pral gen résultat kwa bay?
Ça fait mal dans sa bac pour capable sur les. Et bon, m'a posé que ça avec soit gars connu ou bien avec CPR. Bon, avec Ramo, m'a questionné parce que Ramo a une responsabilité de sécurité. Si vous venez ou vous décidez de faire un ensemble de changements ou décidez des changements stratégiques, oui, ou retirer soit commissaire et principal qui n'a arrondissement ou bien et inspecteur divisionnaire, ou retirer également commissaire divisionnaire qui est gain grade directeur départemental et puis malheureusement résultat pour qu'a tomber au lieu que résultat ou c'est triste par la bine pitrice là ça faut que tu as posé cette question est-ce que ensemble procéder que on peut essayer de te mettre en pratique est-ce que tu es correct Lex? Bon moi c'est est-ce que c'est ça ou bien est-ce que c'est moi pas gain parce que mon connaît les que tu as parlé de moi ou bien est-ce que c'est stratégie mais non Blaise mais est-ce que c'est pas gain il a une caisse blindée. Yeah, il n'y a pas de chiffre qu'elle gagne, mais il passe avec un chiffre qui est acceptable. Il est venu, il était jeune que PNH a acheté avec au moins 11 semaines de munitions de combat. Quand il n'y a pas dit, mais pas de droit de l'histoire encore. Ça veut dire, il y a munitions, il y a blindé, sans doute, il manque effectif, il manque bras. Mais il y a une mission multinationale là, qui au moins 700 ou bien 400 épiques. Il n'y a pas de chiffre qu'elle gagne. Mais on peut me dire là les c'est que ça même je les demande si c'est pour le mois de gain et parce que m'a regardé qui ça qui expliquait que mayonnaise avait au marché est-ce que c'est parce que et problème m'a pas dit matériel je dis ah, vraiment parce que les gain matériel plus ou moins vous faites blesse sur le versing qu'il y a parce que trois policiers dans gang ou pas ouais qui ça se passe là et pendant weekend là policiers et qui était dans Idmo mais pour qu'on y a été affecté dans Itag qui n'ont combat contre gang dans le pays. Vous voulez parler de Ernest Jacques, à tout boutibouboutli, qui en dedans, nous avons dit qu'ils sont employés civils dans la police, qui n'ont question logistique, qui est au Mario, avec environ 2400 cartouches, de calibre que Bandi a utilisé. C'est dans le réseau gang qu'elle a pris pour des cartouches à Oblaise. Ça veut dire ça, il faut que la police arrange pour retirer mauvais gang dans le temps. Et va blesser, il y a presque 3 semaines, oui. Et dans ce 3 semaines, il y a des policiers 4 teams par les nationales avec la machine, puisque 2600 comme cartouches. Et les policiers Udmo qui en a eu tag et ont joué avec la machine, puisque 2400 comme cartouches. Le jeu de la question qu'a posé, c'est qui ça, est-ce que vraiment, gens que la police a pourri la désir, est-ce que a gagné moyen adéquat pour battre contre ce bandit? Et c'est pas jeudi en tout. Ou ensemble de voix, ou ensemble de secteurs, à lever voyou pour capable mander faire vetting en dans la police. Et lundi, faire vetting, passer dans la police. Pour deux policiers, ou imaginez, 6 caisses cartouches de même calibre, de même dimension, ça disparaît ou mis à pas le vendre avec bandit. Parce que si l'autre là, il a joué 2600 cartouches, ça a eu joué 2400 cartouches. Ça fait 6 caisses cartouches parce que de chaque caisse, il y a 1000 cartouches là-dedans. Qui ça veut dire? Et chaque nègre rejoint une forte somme, l'argent en possession de cette personne. Et c'est là où je vais vous poser la désir. Et là, si vous avez posé là, c'est pour montrer avec chaque grand ami que est-ce que nous avons levé un bon matin pour nous résoudre l'insécurité hein? Si vraiment que on dit chaîne commande de la police, non? Chaîne commande de la police, non? Avec Ramon en mille. Parce que, et pas seulement by moi, ou ka bouke by moyen, et à chaque fois by moyen, ça va pas servir à rien. Parce que, barbecue de dit ça, on l'a. Il dit que les policiers, quand on va faire 24 ou chaud, ils ont une opération, ils ont fait 2-3 coups, pa. Et bien après ça, ils retournent dans la base. Et là, après retourner, ils retournent avec quantité on l'autre cartouche. Parce que, ou même qui pense qu'il y a une opération, tire balle, et bout à bout, et balle finie, menti pas vrai. Nèg yo fait démagogie dans l'idée pour que yo capable eh bien gérer cause yo parce que je dis on nous dit deux policiers nan moins que 3 semaines yo arrêté deux policiers la question mauvaise affaire trafic zam li vle di ça vle dire et je dis à me laisser ça pour nous comprendre que est-ce que il y a la volonté monde qui là pour résoudre ça là ou dis-moi est-ce que c'est à nous-mêmes qui pour prendre décision
Est-ce que c'est à nous-mêmes qui pour prendre décision pour capable, j'aime de je dire, quel que soit le TKPT, quel que soit le TKONI, et quel que soit le monde qui est dans le gouvernement, logiquement, c'est prendre des dispositions. C'est prendre des engagements. Et engagement à disposition, ça y est, à permettre que ensemble que nous arrivions à résoudre la guerre comme problème. Mais est-ce que volonté adéquate vraiment? Parce que nous-mêmes, moi, des Ivenes, nous kabouke parler, nous kabouke dit parole, nous kabouke dit ça au blé de nous. Mais quoi que je me toujours dit à désir, nous tous les deux, hein, c'est Haïti d'abord nous primer. Nous tous les deux, nous primer Haïti. Ça arrive ou même, ou pas primer Haïti ou là. Mais moi-même, avec des Ivenes, nous primer Haïti. Et Kounia, quel que soit le monde qui t'a voulu servir comme obstacle, quel que soit le monde qui t'a voulu pour que empêcher que le pays ça avance, je suis certain que le peuple haïtien, ouais, et le peuple haïtien a pris une décision avec nous. Yeah. Parce qu'il n'est pas normal, non, monsieur. Il n'est pas normal pour un pays à débat finir comme ça, non? Il n'est pas normal que monsieur pour un pays. Depuis, on dit après 200, nous allons fêter 221 l'année de votre nom. D'ici 1er janvier 2025. Est-ce que condition, la vie mon nan pays, ça a changé? Non. Ben, va vim bi mal. Je veux dire, pas gagner espoir pour jeunesse. Non. Je veux pas gagner espoir pour jeunesse. Et c'est triste samedi. C'est dur. Et m'a dit moi pendant que pas gagne espoir pour jeunesse paysan, est-ce que nous même tout si reste qui était yo, est-ce que n'a croisé bras nous, qui ça n'a fait? On regarder Andy KPT ya nego financier fin van, mais c'est dans financier fin van de même tout koni avec des qui dans gouvernement là yo financier fin van. Il dit je dis me penser nego t'a fait un dépassement de soi pour dire ah monsieur, comment aller nous pour aller? Nous ne pouvons pas gagner encore, nous ne pouvons pas gagner acheter avant encore. On quitte le bagage pour le pays ça. On quitte le bagage pour le jeunesse pays. Ok? On passe avec ça. On fait ça. Mais non, il va aller au fait. Il préfère gourmer. À passer bon. Je vais laisser plutôt. Pas un pi bon. Je vais laisser plutôt. Pas un pi bon. En tout cas, des jeunesse, on va avancer parce qu'on va le finir. Je pense que c'est ça qui nous combat, Blesse. Retirer nos pommes qui bon, on prime Haïti, on mette Haïti sous table. Haïti qui tout partout à travers le monde, là, il y a besoin qu'on ait dans toute décision à disposition qu'il a pris dans la vie, pour qu'il veut comprendre qu'il y a gagné, il y a un bagage qui est sauvé. Il y a un bagage en commun, qui c'est pays. Malgré l'autorité qui est là, ou bien, soi-disant, le monde qui occupe l'espace de l'État, il n'y a pas quelqu'un de volonté pour rebalancer le pays. Il n'y a pas envie de rebalancer le pays. Pour des raisons bien déterminées. Yo connaît ça à faire. Yo prend engagement pour faire ça à faire. Yo qui en mission pour faire ça à faire. Mais qu'il y a qui ça me dit tête. Qui j'en comprendre ça qu'a passé. Qui position à disposition qu'elle mérite plein qui qu'a permettre qu'elle sorti de situation qu'elle devienne. Qui qu'a au moins qu'elle retourne pays à dans gens qu'elle était dans temps avant qui te permettre que tu les pelles des Antilles. Côté pas de net exam qui t'a braqué monde tout. Côté pas de fatrak t'a fait monde observation. Côté pays, il n'y a pas de devenir territoire perdu. Tout côté rivière, c'est une question de territoire perdu. Pour la République. Mais qui ça nous doit faire pour nous récupérer ensemble territoire? Qui est-ce qui volait territoire? Qui est-ce qui enfouillait territoire? Pour moi-même, c'est des Haïtiens. Ancien député Anel Belizer, Téréléo, des opprimés mal orientés. Et lui-même, tout, il était responsabilité dans cette question. Parce qu'il y a bien des temps, il y a des âmes, force d'armée d'Haïti. Que M. était tout le temps dit, non, mais ZAM, ça ne va pas combattre les gangs pour la République. Mais on a mis les gangs pour terroriser la République. Et je dis, je veux dire que conscience, n'est qu'à bon ZAM, quel que soit là qui est dans la diaspora, qui a acheté ZAM pour venir en Haïti, si là qui pratiquement a bon ZAM en dedans pays, c'est vrai que M. connaît ses business ou ses commerces. C'est à travers lui qu'il existe, c'est à travers lui qu'il fait l'argent. Mais quand on regarde, chaque cartouche qu'on vend, c'est on vit qu'on détruit. Chaque ZAM qu'on vend,
eh bien, c'est quantité la vie que vous diminuez. C'est quantité de petit monde que vous limitez, qui pas à l'école, et que plus gagne dans le pays. Ensemble, un rapport que organismes internationaux non gouvernemental a publié la classification. Eh bien, vous avez cassé. Sous quantité de petit monde qui pas à l'école, dans diverses zones à travers le pays, respectivement dans les régions métropolitaines, avec les départements de la Tibonite. Petit monde sont pratiquement, si j'ai à entrer dans gang, rentrer dans gang pour terroriser la population, pour violer, pour décapitaliser. L'entreprise dans situation comme ça, lui mérite que si là qui est en Haïti, si là qui est dans la diaspora, ou il prend des dispositifs à l'encontre des autorités haïtiennes qui conduisent dans la situation qu'il y a là, je dis. Faut faire autorité haïtienne sentir qu'elle ne peut pas vivre dans le monde. Nous besoin de vivre dans le monde. Je dis, santé pas qu'un luxe, mon peuple. Je dis, voie publique pas qu'à arrêter comme un défi pour ensemble passagers qui pas qu'à fréquenter à cause des postes péagiens. Et jusqu'à présent, nous avons des institutions légaliennes qui est constitution à reconnaître, qui c'est la police avec l'armée d'Haïti. L'armée a été totalement démobilisée, maintenant la police. Mais dérive qui a répété dans la police en la baisse des sons, est-ce que ensemble action qui a posé là, non arrêté des policiers qui en fonction, qui pral 24 toujours mais pral prêter 4 ou 6 pral prêter zambay bandi, est-ce que baba ancien sénateur élu Gordassan raison, on voulait parler de Guy Philippe. Dans dernière déclaration qu'il a fait dans dernier mouvement qu'il a fait au Blaise, il te dit c'est la police qui vraiment présenté en tant qu'ennemi population. Si vous avez responsabilité de combattre les gangs, est-ce que vous avez serré les rangs, non arranger, non augmenter capacité de gang pour terroriser la population toutefois que aucun bureau dans ça et bien montrer et pas gagner et problème de sécurité qui a résolu. Merci à Pile des Ibénès, merci à chaque ami qui t'a regardé puis t'as des émissions ça soumis 5 nouvelles à Blaise Info point nouvelle Volcalbas Info Racine Nouvelle Haïti. N'a pas des amis en nous like, en partageant des commentaires et puis en nous abonner si n'a peine de monsieur Média Sayo pendant qu'il a activé cloche notification pour ne pas jamais rater un dans émission. Merci des à croiser mon frère. Merci Blaise, merci tout le monde, restez fidèle avec mes 5 nouvelles, pas oublier staff là, remets-moi pile.